J'ai toujours aimé la photo. Même quand j'étais petite, je demandais à mes oncles, mes tantes, à la famille, à Noël, de m'apporter leur vieux calendrier pour le 1er janvier. Parce que dans ce temps-là, évidemment, il y avait beaucoup de calendriers photos, puis ça me fascinait. Mes parents avaient une caméra, alors évidemment, j'ai commencé à faire de la photo très jeune, à prendre des photos, en fait. Et j'ai reçu mon premier Kodak, on pourrait dire, Instamatique, à l'âge de 11 ans. J'aime bien garder l'essence des gens dans leur naturel. Évidemment, je suis dans l'événementiel, mais en même temps, j'essaie toujours d'apporter mon volet artistique à ce que je couvre. Ma passion, évidemment, c'est beaucoup les voyages au niveau du documentaire. Au travers de ça, j'adore l'architecture, donc j'ai une tendance, évidemment, à essayer de capter tout ce que je peux au niveau architecture, qu'elle soit moderne, contemporaine ou qu'elle soit ancienne ou traditionnelle. Bonjour, bienvenue à cette autre émission Mosaïque. Aujourd'hui, je reçois une photographe que vous avez peut-être vue dans un événement mondain, un événement caritatif, ou peut-être même dans votre mariage. Josiane Farah, bonjour. Bonjour, Patrick. Josiane, je vais commencer par le commencement. À quel moment, bon, les gens savent que tu es photographe, on le voit partout, à quel moment tu as tenu un appareil photo pour la première fois dans tes mains? Je crois que j'étais très jeune. En fait, je pense que c'est vraiment enfant, là, 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans. Ouais, est-ce que tu te rappelles? Dans des événements de famille, puis oui, parce que j'ai quelques photos aussi qui en témoignent. OK. Donc déjà, très jeune, t'aimais ça prendre des photos. Oui. Ouais. Là, on peut partir faire l'évolution des appareils photos puis aller dans très, 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 très loin. Mais est-ce que toi, à travers cette évolution-là, est-ce que tu as eu un moment où bon, c'est que jeune, t'en prenais des photos, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « c'est ça que je veux faire dans la vie? » Alors que j'étudiais au HEC, aux hautes études commerciales, oui. OK, parce qu'aux hautes études commerciales, on étudie la photographie. Bien, pas tout à fait, mais quand je regardais l'opportunité de travail que j'allais avoir à faire éventuellement, je m'imaginais pas regarder des chiffres toute ma vie. Je préférais regarder des gens, regarder des choses. OK. Donc ça, on a découvert ça en sortant des HEC? Non, pendant que j'y étais, en fait. OK. Donc on a quitté les HEC? Exactement. Et on s'est acheté un appareil photo? J'avais déjà l'appareil photo, je faisais déjà du développement en chambre noire dans ce temps-là, quand même. Ah, ça, on parle d'il y a un siècle, là. Bien, il y a quelques lunes, là, en fait, oui, c'est ça. Mais c'est pas un peu épeurant d'être, tu sais, l'université, les HEC, tout ça, c'est un milieu confortable, on est bien, on étudie, ça va bien, de quitter ça pour dire, bien, je vais faire de la photo, surtout... aujourd'hui, c'est peut-être plus commun, mais à l'époque, je ne veux pas te vieillir, Josiane, mais tu étais dans une chambre noire. Là, j'étais possiblement très inconsciente. J'ai aucune idée. Là. Okay. Je pense que quand je regarde... Tu sais, je vois même pas ça comme un acte de bravoure à ce moment-là. Je pense que c'était juste quelque chose que j'avais le goût d'expérimenter. Et puis, pour le faire avaler à mes parents, bien, j'ai passé par la technique d'architecture, en fait, l'inscription en cours de technique d'architecture. Pour montrer qu'on était bien, l'étudiante bien dans son affaire? Bien, pour montrer que... Tu faisais quelque chose. Oui, je pensais. Okay. Et ben, finalement, la première journée des cours au cégep de Saint-Laurent, je me suis rendue à l'école et au premier local. Puis là, ben, je regardais la place, puis je me disais, je suis pas certaine. Pas certaine que je suis capable de passer 3 années ici. Et puis, je me suis dit, je vais prendre une chance. Je vais me rendre au Collège Dawson, au centre-ville de Montréal, qui, dans le temps, était sur la rue Sainte-Catherine. Il y avait un campus juste pour la photographie, le cours de photographie commerciale. Et puis, je me suis dit, bien, je vais aller voir. Je vais essayer. Alors, je suis partie. Je vais aller rencontrer le directeur. Je suis arrivée là sans rendez-vous, la même journée. On écoute sa petite voix dans ce temps-là. Oui, j'ai demandé à rencontrer le directeur du programme qui, on m'a dit, OK, attendez-vous, attendez 5 minutes, là. Okay. On vous organise ça. J'ai rencontré le directeur et je lui ai expliqué tout mon cheminement. Je travaillais déjà à ce moment-là avec un photographe de Valleyfield, avec Pierre Langevin. Et il m'a dit, bien, reviens demain matin avec un portfolio. Ben, que là, tu avais ou que tu n'avais pas? Je n'avais pas, j'avais une enveloppe. Brune, avec des photos imprimées. Au moins, c'était pas de l'argent. Oui, au moins, c'était pas de l'argent. C'était vraiment des photos imprimées en noir et blanc à ce moment-là, des choses que j'avais fait
lors de mes activités parascolaires à l'école ou des choses comme ça. Ça marchait? Bien, en fait, on m'a avisé que j'étais déjà en retard pour mon premier cours. Et de ne pas oublier de repasser tout de suite après pour remplir la paperasse et payer le compte. Bon, là, visiblement, ça a bien fonctionné. On va faire un saut dans le temps parce que je veux... Aujourd'hui, Josiane, on fait un pas pire saut dans le temps. T'es rendue à incorporer, là. C'est assez important dans ta vie, l'art de capter Hink. Donc, on voit que finalement, tu as pris la bonne décision à cette époque-là. Ça change quoi de s'incorporer comme photographe professionnel? Ben là, c'est plus moi, c'est, que c'est une autre entité complètement. Plus. Oui, effectivement. Tu as créé un enfant? Oui, un enfant. En fait, tout à coup, je me sens tout excitée. Tu sais, ça fait longtemps que je travaille, puis j'accompagne aussi des jeunes entrepreneurs, des gens qui démarrent en entreprise et tout. Tu sais, puis moi, bon, je faisais ma petite chose. Mais là, c'est à mon tour, on dirait que je repars. Mais c'était là depuis longtemps de vouloir s'incorporer? Ça fait 2-3 ans, oui. OK. Oui. En fait, je me lance en affaires pour prendre ma retraite, alors... Oui, prendre sa retraite. Là, moi, je sais ce que ça veut dire. Tu étais allée récemment, tu as fait des expositions notamment sur ça. Tu es allée faire des voyages. Oui. Et corrige-moi si je me trompe, tu as pogné quelque chose là. Dans le sens qu'il s'est passé quelque chose qui fait que tu veux amener ton art un petit peu plus loin. Définitivement. Dans le documentaire, c'est un peu ça? Oui. Oui, effectivement. C'est... En fait, faire de la photo, il faut être curieux. Il faut entrer aussi dans l'univers des gens. Il faut apprendre à mieux les connaître. Il faut qu'eux aient confiance en nous. Et puis, le travail documentaire, ça permet de... Évidemment, c'est la base. Ça permet d'être créatif en même temps. Ça permet aussi de faire découvrir. Parce que, bon, on prend des photos, c'est bien beau les avoir pour nous, les garder dans notre ordinateur, qui dorment là jusqu'à temps que... Souvent, ils ne sont jamais vus. Mm-hmm. Mais l'idée de faire des photos aussi, c'est de les présenter, puis possiblement d'éduquer les gens sur les différentes cultures, de s'éduquer soi-même. Aussi. Puis peut-être que tu en es arrivé là aussi. C'est peut-être pas arrivé par hasard que tu es... Et c'est par un voyage. Est-ce que c'est au Vietnam que tu es allé au Vietnam en 2017, c'est ça? C'est ça, exactement. Pour participer au tournage d'un film qui s'appelle « Coming Home », c'est sur la suite... Des réfugiés boat people vietnamiens, donc qui sont arrivés ici il y a environ une quarantaine d'années. On parle un petit peu de l'intégration de ces gens-là dans la culture au Québec, comment ils ont réussi à gagner leur vie, à s'intégrer, à créer des familles et tout. Et puis le retour au Vietnam permettait de rencontrer des familles qui ont été déchirées par cet événement-là, des gens qui n'ont pas pu quitter. Quel était leur sentiment par la suite? Face à leur famille, face à la réalité qu'eux vivaient en rapport à celles qui n'ont pas nécessairement été au courant que leur famille vivait ailleurs, pour ceux qui ont survécu. Donc, c'est assez profond comme histoire. Josiane, on ne pourrait pas quitter cette entrevue-là sans parler de ton engagement dans la communauté. Tu es engagée auprès de la CCIVS depuis 5 ans, auprès du Conseil des arts depuis quoi, une dizaine d'années environ. Pourquoi est-ce si important pour toi d'être au cœur de ce qui se passe, finalement? En fait, c'est un peu parce que quand on est photographe, souvent on travaille en individuel. Et puis le fait de participer à des conseils d'administration puis à l'évolution de la région, ça nous permet aussi de travailler ensemble, de travailler en équipe. Alors, pour moi, c'est important de m'impliquer et puis de faire en sorte qu'il y ait des projets qui puissent avancer. Et puis encore, le désir de documenter tout ça qui m'anime, évidemment. Et là, d'autant plus que tu pourras apporter... ton œil d'entrepreneur parce que tu es Inc. Et voilà, je suis Inc. maintenant. Josiane, en terminant, je sais que tu as initié le projet, imaginons, Vaudreuil-Soulanges, il y a déjà, quoi, 3-4 ans? Oui, environ. Si je te demandais, imaginons Josiane Farran, ça va ressembler à quoi, Josiane Farran, mettons, dans 5 ans, si on se projette, là, vite comme ça? Oh là là, mon Dieu! Il y a plein de choses, je ne peux pas vous dire encore. Ah, c'est ça, c'est un secret. Il y a encore des secrets. Mais je pense que c'est aussi la part de... Il y a la part de ce que je fais, mais aussi... En fait, je crois beaucoup à la photographie. Je crois beaucoup à ce que la photographie peut faire. C'est un témoin dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. La photographie, souvent, c'est la seule chose qui reste quand tout est fini. Et puis, quand les fleurs sont fanées, quand le souper est digéré. Exactement, lors d'un événement. Et puis aussi, c'est... Tu sais, je me dis tout le temps, dans quelques années, si quelqu'un ouvrait une capsule temporelle et regardait
ce qui est arrivé. Mm-hmm. Mais c'est la photographie qui est probablement mm-hmm. le témoin mm-hmm. le plus important dans tout ça. Mm-hmm. Puis, au travers de la photographie aussi, je la vois un peu comme un roman. Parce que quand on regarde une photographie, puis on prend le temps de lui rendre hommage, qu'on prend le temps d'entrer dans l'univers dans lequel la photographie était prise, c'est la même chose que lire un roman puis s'imaginer le décor qu'on est en train de lire ou dans l'espace dans lequel les personnages mmh. évoluent. Quand on regarde une photographie, puis on la rentre dans son contexte culturel, qu'on la rentre dans son contexte, c'est dans une ville, si on entend les bruits, si on peut s'imaginer ce que les gens pensent mmh. ou sont en train de faire. C'est l'espace à beaucoup d'interprétations. Exactement. Aussi. Donc, c'est ça. Souvent, on pense qu'une photo, c'est juste une photo. C'est pas juste une photo. Mais c'est jamais juste une photo. Josiane, merci. Si on veut te croiser, voir tes œuvres, d'abord, on a juste à sortir dans l'un des événements mondains et on va te croiser. Sinon, on va aller sur ton site. Le site de l'art de capter. L'art de capter. Inc. Inc. Merci infiniment, Josiane. Tant qu'à vous, restez là. On se retrouve dans un des points de culture dans quelques instants. Belle qu'avez-vous, qu'avez-vous à tant rire? Belle qu'avez-vous, qu'avez-vous à tant rire? Je ris de toi, mon bon monsieur, ta folle tonnerie. Belle attendez-la, belle attendez, irez-vous reconduire? Belle attendez-la, belle attendez, irez-vous reconduire? Je ris de toi, mon bon monsieur, de ta folle tonnerie. D'avoir pris les perdrix du port pour des loups en furie. Belle attendez-le, belle attendez, irez-vous reconduire. Belle attendez-le, belle attendez, irez-vous reconduire. Je dis de trois mots. De retour à l'émission Mosaïque, je me retrouve en terre muséale. Pourquoi je me retrouve ici? Bien, parce qu'on va parler des seigneuriales, des fêtes des seigneuriales qui s'en viennent à grands pas, la ville de Vaudreuil-Dorion. Et pour nous en parler, bien, je suis en compagnie de Christiane Lévesque. Bonjour, Christiane. Bonjour, Patrick. Christiane, très bientôt, on va avoir droit à la 27e édition. D'ailleurs, j'en suis pas revenu. Mm-hmm. Dans ma tête, on était rendu au début de la 20e. On est déjà rendu à la 27e édition des fêtes des seigneuriales. Et cette année, la thématique, on parle des coutumes et traditions. Oui, absolument. Comment vient l'idée d'une thématique? Est-ce que dès que l'ancienne édition est terminée, comme par exemple l'année passée, est-ce qu'on a déjà trouvé la thématique? Comment ça se passe, ça? Bien, en fait, ça se produit bien avant que l'édition ait lieu. Comme par exemple, cette année, la thématique de l'an prochain, elle est déjà choisie. Pour vrai? Oui. Oh, peut-être oui. qu'on va le savoir avant la fin de l'émission, je pense pas. Hein? Non. On se garde des petites réserves comme ça. Mais oui, les thématiques sont décidées longtemps d'avance. Ça nous permet aussi de préparer les demandes de subventions, bien sûr, parce qu'on a besoin de partenaires dans l'événement. Et ça permet aussi aux gens de se préparer mentalement ou aussi au niveau du matériel pour la prochaine édition. Et Christiane, je sais que moi, quand je suis arrivée ici à la ville de Vaudreuil-Dorion, j'étais passée devant la fête des seigneuriales sans y être allée parce mm-hmm. que je sais pas, j'avais une autre vie dans ce temps-là. Ouais. Mais c'est quand j'y suis venue que j'ai réalisé à quel point cette fête-là, elle est immersive, si on veut, mm-hmm. et qu'il faut y être pour vraiment l'apprécier. Comment, toi, tu en parles aux gens pour les inviter à venir voir, à venir goûter un peu la Nouvelle-France? Mais je leur dis que c'est l'endroit idéal pour vivre l'histoire. Souvent, je fais face à des gens, « Ah, l'histoire, c'est plate. Ah, je me souviens de mon cours d'histoire au secondaire, je trouvais donc ça plate. Ouais, » puis, puis là, ce que je leur dis, moi, c'est tout simplement qu'on fait vivre l'histoire. On prend ce qu'on a dans les livres, on prend les documents d'archives et on les amène en trois dimensions et on ajoute une couleur, une chaleur, une texture à tout ça, ce qui fait que nos cinq sens sont stimulés pendant qu'on est là et... Tu l'as dit, une expérience immersive. On se retrouve au 18e siècle. On est comme dans une bulle qui arrête le temps. On arrête notre temps actuel, puis on en profite pleinement parce qu'il y a plein de choses qu'on découvre. Mais c'est aussi un événement qui nous permet de vivre en famille. À toutes les générations là, s'y retrouvent à l'intérieur de cet événement-là. Et on voit beaucoup de rencontres, de belles rencontres entre, par exemple, les grands-parents, les petits-enfants qui ont souvenir d'eux et qui partagent ça. Et des moments de partage comme ça en famille où est-ce que vraiment on est capable d'avoir un aspect là, tangible, où est-ce qu'on
on est à la rencontre du forgeron, on est à la rencontre de celui qui cuisine dans son chaudron. On peut leur parler. On peut leur parler, on peut sentir, on peut goûter aussi. Et justement, ici, ici même, sur derrière le musée, on va retrouver le chapiteau comme d'habitude. Oui. Et un peu plus loin, parc Astaire-Blondin, on reproduit encore le parc des Premières Nations toujours. Oui, le parc des Premières Nations, parce que bien sûr, on y retrouve un campement autochtone, mais on y retrouve aussi un campement militaire. Donc, pour la prochaine édition, on aura 7 groupes de reconstitution militaire. On va y apporter une touche particulière cette année, un rêve, un fantasme, appelons-le comme on veut, d'avoir les canonniers bombardiers qui vont être là avec des tirs de canon. Donc, ça va être absolument fantastique, spectaculaire. On a aussi d'autres organismes qui ont des choses à présenter, avec qui on fait des liens, avec qui on trouve des fits, comme on dit, que ça fonctionne. Donc, des fois, le moment n'est pas toujours présent. Il faut prendre le temps de bien identifier les besoins, aussi de se respecter dans nos objectifs et nos missions. Et à un moment donné, tout à coup, une année... Alors, pourquoi pas, on pourrait faire une thématique et y apporter des éléments dans la programmation qui nous permettent de pousser cette thématique-là un petit peu plus loin. Et justement, sous le chapiteau, cette année, on a encore la veillée. Oui, c'est une nouveauté. On est passé du souper des seigneurs à la tablée de l'habitant en 2018. Et cette année, on va avoir la veillée de l'habitant. Où est-ce que là, on va retrouver vraiment l'essence même d'une veillée à l'époque, c'est-à-dire on tasse les meubles, on amène les musiciens, on amène des maîtres de danse, on va amener aussi la danse autochtone, la danse du 18e siècle. Il n'y avait pas de distinction entre les nobles et les habitants à l'époque, mais la veillée de l'habitant, pour que ce soit festif, convivial, chaleureux, parce que les seigneuriens, c'est un grand rassemblement de familles, non seulement à l'intérieur des reconstituteurs historiques, mais pour les citoyens qui viennent aussi à l'événement. Mais les gens pourront manger le vendredi? Absolument, oui, l'auberge sera ouverte. Donc l'aubergiste sera là, prêt à accueillir les gens pour les servir, pour leur donner à boire, pour leur donner à manger. Puis ensuite, bien, ils peuvent danser comme ils peuvent aussi juste regarder le spectacle ou écouter la musique parce qu'on va avoir une programmation assez riche pour cette soirée-là. Et pour le lendemain, bien, on a droit au concours de menterie qui revient encore cette année. Le concours de menterie, absolument. Donc le concours, bien, en fait, toute la journée, on a toute la reconstitution historique, on a conférences aussi à l'intérieur du musée. On a également... Bien, le musée est ouvert. Hein? Les visiteurs qui circulent sur le terrain sont invités à entrer à l'intérieur pour venir découvrir... les salles d'exposition et la collection du musée. Bien sûr, avec tout ça, on a l'allée marchande, où est-ce qu'on a des producteurs agroalimentaires et des artisans qui sont là. Plein d'artisans aussi de métiers traditionnels, anciens, tout ça, qui sont sur le terrain du musée. Mais en soirée, on a le groupe musical assez exceptionnel, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Et par la suite, le concours intermondial de la grande menterie en Nouvelle-France, où est-ce qu'on a des conteurs, menteurs pour l'occasion, qui s'affrontent dans une compétition. Mais en première partie, on a aussi la gagnante des mentardises de l'école secondaire de la Cité des Jeunes, elle qui a remporté le premier prix là, pour avoir fait une menterie absolument exemplaire, parce que j'étais là comme juge et j'ai été très impressionnée. Et tout ça est gratuit? Oui, tout ça est gratuit, sauf pour la veillée de l'habitant, parce que bien sûr, naturellement, il y a le repas et tout ça. Il y a des coûts, mais reliés à ça. Mais sinon, l'ensemble des activités, c'est gratuit. Mais il ne faut pas oublier le jeudi aussi. Non, je sais. Il y a le jeudi soir, il y a le salon de thé à en après-midi. Donc, à 13h, le salon de thé à la maison Tressler. Donc, le thé de Catherine. Donc, Catherine nous attend. Catherine, elle nous donne rendez-vous à chaque année. Elle invite des gens. Elle aime ça faire la fête. Catherine, elle aime ça avoir du monde autour d'elle. Elle invite des gens, puis finalement, elle ne se présente pas. Parce que soit qu'elle perd une roue après sa charrette, en tout cas, peu importe. Mais on sera là. Et à l'église, on a l'orchestre. L'Orchestre symphonique de la vallée du Haut-Saint-Laurent, oui, avec un opéra baroque. Avec un opéra baroque, c'est ça. Donc, il y a plusieurs, et on n'a pas tout parlé de la programmation, mais on arrive déjà à la fin de l'entrevue. On a le dimanche aussi. Avec la plantation du mai. La traditionnelle plantation du mai, la messe seigneuriale. Absolument. Moi, j'invite les gens, on peut inviter les gens à aller voir le site du musée, où toute la programmation, elle est là. On n'a pas spécifié les dates. C'est le 6, 7, 8 et 9 juin. Absolument. Donc, on vous attend. Merci beaucoup. Christiane, je te souhaite de vivre une autre belle édition des Seigneuriales. Merci de nous avoir organisé ça. Ça fait plaisir. J'aurais envie de t'offrir un petit cadeau, Patrick. Un cadeau? En fait, j'aurais envie que tu portes nos couleurs fièrement parce que je sais que tu es un fan des Seigneuriales. Vraiment. Alors, je t'invite à faire un échange. Mon tricorne? Oui, je te donne la casquette avec les couleurs des Seigneuriales dessus et puis le tricorne, mais je le garde pour toi puis je te le remets lors de l'événement. Avec grand plaisir, je la porte fièrement. Christiane, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Tant qu'à vous, mais merci d'avoir été là. On vous attend au Seigneurial dans quelques jours. À bientôt. Salut.